C'est vraiment pas du fake. Mes cheveux ont réellement repoussé à 16 ans. Bonjour les colonies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais donc aborder un sujet qui est très préoccupant pour la femme noire, la femme africaine ou afrodescendante. Il s'agit des cheveux de devant, le problème des tempes dégarnies, des cheveux de devant qui se cassent. Et je voudrais vous proposer les 5 petits conseils que j'ai pu appliquer qui ont favorisé la pousse et la repousse de mes petits cheveux de devant. En appliquant ces 5 petits conseils, j'ai pu aller de ça à ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. Le premier conseil, c'est de privilégier des coiffures simples. Ça a l'air tout bête, mais en réalité, c'est très, très, très important. Les coiffures simples, en réalité, sont des coiffures qui ne favorisent pas de casse, ou du moins qui limitent la casse de vos cheveux. Et donc, les coiffures comme les afropuffs, comme les grosses tresses avec rajout qu'on peut faire là et qui tirent nos cheveux, comme les petites tresses que l'on peut faire avec rajout et on veut systématiquement attraper nos petits cheveux. De même, les petites tresses, les nattes qu'on veut faire sans mèche, mais qu'on veut quand même faire jusqu'à vouloir attraper les petits cheveux de devant, c'est aussi valable aussi pour les mini twists qui sont tellement petits et qui, quand il faudrait les défaire, favorisent la casse. Donc là, je vous invite vraiment à privilégier des coiffures très simples. Ça peut être de simples vanilles, ça peut être des tresses de taille moyenne, ça peut être de simples nattes, ça peut être même des wash and go, des coiffures libres comme ici, des simples afros pour que le cheveu soit libre, qu'il puisse respirer, ok? Le deuxième conseil que j'ai appliqué pour favoriser la pousse sur mes cheveux, qui repousse sur mes tempes, ok? C'est de porter convenablement le foulard en satin de manière à ne pas provoquer de casse sur ces petits cheveux très fragiles. Je vous montre tout de suite comment je fais. Je pose le foulard, et bien je le pose non pas à ras, comme ça. Évitez de faire comme ça. Posez le foulard un peu plus avant les cheveux, comme ça. Si c'est possible, couvrez vos oreilles. D'accord, parce que j'ai eu à constater que j'ai un peu de casse ici, parce qu'en réalité je mettais le foulard de cette façon et ça était relativement exposé et j'ai constaté que j'ai eu quand même un peu de casse, d'accord, mais voilà, ça repousse, il n'y a pas à être dans la catastrophe, à se dire que c'est la fin du monde, non, ça repousse, d'accord. Donc là, je vais poser le foulard comme ça, vous l'attachez. Vous voyez donc que le foulard est plus devant, donc cette ligne n'est pas positionnée directement à ras de la chevelure. Elle est positionnée juste avant. Donc si vous avez trop chaud, comme ici à Douala, il fait quand même chaud. Quand on place le foulard comme ça, vraiment après la transpiration, au moins vous pouvez reculer comme ça. Vous pouvez reculer, mais sans pour autant que vos cheveux soient exposés. Voilà, ça c'est vraiment la pose du foulard quand vous voulez dormir ou bien voilà, vous pouvez garder le foulard et faire vos activités, ménage, etc., etc. C'est que je vous recommande et qui a vraiment fonctionné pour moi, ça a été de ne pas négliger mes cheveux de devant lorsque j'applique le masque capillaire, lorsque j'applique le soin profond, de vraiment m'assurer que pendant ce moment qui est crucial pour la réparation, l'hydratation en profondeur, la nutrition en profondeur de ma chevelure, que les cheveux de devant puissent vraiment en bénéficier. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le masque des mélanges. Je vous précise ça très clairement, de veiller à mettre votre soin profond sur vos cheveux de devant, de veiller à ce qu'ils en soient vraiment saturés, pour qu'il soit plus fort. Faites attention, comme on l'a vu avec le deuxième conseil, la façon de placer votre foulard, vous pouvez voir sur la vidéo que je mets le plastique vraiment sur le front. Je ne mets pas à ras de ma chevelure, mais vraiment sur le front. Si vous êtes adepte des gels et des baby hair, si vous adorez ça, eh bien, ce quatrième conseil, je vous l'adresse à vous. Faites attention, quand vous utilisez la brosse, en appliquant le gel et en faisant vos frises, vous allez remarquer que souvent il y a des petits cheveux qui restent accrochés dans les petites tiges de votre brosse. Voilà, pour faire les baby hair, on aime bien utiliser du gel et
En fait, voilà ce qui personnellement a contribué à casser mes cheveux de devant. J'ai un côté quand même qui n'est pas très, je crois que c'est ce côté-là. En tout cas, j'ai un côté qui n'a pas vraiment bien poussé parce que je m'entêtais un peu à utiliser du gel, à faire avec la brosse, à faire des frises. Et voilà, c'était vraiment pas très correct. Donc j'ai un côté qui doit vraiment être chouchouté un peu plus que l'autre qui a quand même bien repoussé. Mais voilà, c'est de dire que ce n'est pas en fait une aventure qui est pour moi complètement terminée, un problème qui est complètement soldé, résolu, mais c'est toujours quelque chose que je corrige, que j'avance, je corrige, j'avance, je corrige. Et arrêter d'utiliser la brosse ou du moins limiter son utilisation, privilégier plutôt le doigt. Avec le doigt, vous faites vos frises. C'est vrai que ça ne donne pas le même résultat très bien travaillé, mais si vous voulez vraiment ne pas finir avec des tempes complètement dénudées, eh bien, ce conseil, je vous le recommande de l'appliquer, d'accord? À défaut du gel, il existe aussi d'autres produits moins lourds et beaucoup plus nourrissants, comme l'huile de ricin, comme le beurre de karité, qui permet de plaquer le cheveu et d'avoir, même si ce n'est pas un effet plaquant, lustré, très bien réussi, comme on peut le voir avec le gel, vous pouvez quand même assurer d'avoir une coiffure présentable, les cheveux de devant qui soient présentables, mais tout aussi nourris et réparés. Cinquième conseil que je vous propose, surtout si vous appliquez du gel, mais même si vous n'appliquez pas du gel, mais vous êtes exposé à la poussière et aux résidus, n'ayez pas peur de laver régulièrement dans la semaine vos petits cheveux de devant. Laver ses cheveux de devant de temps en temps, en fait, contribue à débarrasser ses cheveux des résidus, même de la poussière, si vous en constatez. Et surtout si vous voulez adopter de faire un petit soin de temps à autre pour nourrir vos cheveux sous le foulard en satin pendant votre sommeil. Donc, vous pouvez appliquer, après les avoir lavés, vous appliquez un peu de votre huile végétale préférée, l'huile de ricin, qui est très recommandée pour les cheveux très fragiles et très fins, et également l'huile de pépins de raisin ou bien l'huile d'avocat. Ces 5 conseils, je les ai tous appliqués, je continue encore de les appliquer. Comme vous pouvez le voir, ça a réellement repoussé. C'est vraiment pas du fake. Mes cheveux ont réellement repoussé à ces endroits-là. Vraiment, ça m'avait horrifié quand j'avais pris cette photo. J'avais pris cette photo, j'avais envie de la détruire. Je ne voulais plus la voir. Mais une petite voix intérieure m'a dit, garde-la, au moins ça te sert de point de départ pour que tu puisses voir l'évolution, pour que tu puisses évaluer si les cheveux ont repoussé à cet endroit. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur mon masque capillaire démêlant réparateur nourrissant à l'eau de riz. N'hésitez absolument pas à aller voir. Et ma deuxième vidéo où je vous parle des 5 clés pour avoir des cheveux qui poussent et des cheveux plus forts, plus résistants, plus en santé. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si ce contenu t'a plu et de partager à tes amis. À la prochaine vidéo.